Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je teste mon joint de brûleur de chaudière condensation après l'avoir changé. Le joint de brûleur, c'est cette pièce. Et elle se trouve ici, au niveau du cercle rouge, mais à l'intérieur du brûleur. En premier lieu, je démarre la chaudière en mode chauffage et en petite allure. Je vous dirai pourquoi en fin de vidéo je la mets en petite allure. Puis je démonte, enfin je déplace l'espèce de grosse trompette noire qui se trouve devant le brûleur. Je force un peu sur la trompette pour pouvoir filmer correctement l'ensemble du brûleur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais passer mes doigts au niveau de la jonction entre le brûleur et le corps de chauffe pour voir déjà si le joint il est correctement mis et s'il n'y a pas de fuite de gaz brûlé et de chaleur qui pourrait endommager plus tard la chaudière. Donc il faut surtout bien passer sur tout le cercle du brûleur et ne pas oublier aussi au niveau des électrodes d'allumage. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je mets en mode chauffage et petite puissance. Car si jamais le joint il est mal placé ou il est défectueux, ou que vous n'avez pas serré assez le brûleur, croyez-moi, si vous passez vos doigts comme je les ai passés, vous allez sentir tout de suite que votre joint il est mal mis ou qu'il y a un problème quelque part. Et c'est pour ça aussi que je vous conseille de faire d'abord un premier tour assez éloigné, à 4-5 cm du bord du brûleur. Et après, quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de chaleur, là, vous pouvez le passer un tout petit peu plus près, sinon vous risquez de vous brûler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.